Une incursion chez le jeune artiste plasticien Cyrus Dizo à Cotonou nous a permis de découvrir son univers. À 16 heures creuses, le jeune artiste produit des tableaux d'art. Cyrus Dizo a très tôt perçu la philosophie de l'art plastique grâce à son père qui est un grand artiste plasticien béninois appelé Hippolyte Dizo. Cyrus Dizo a décidé de se consacrer à l'art en classe de première suite à un concours où il a été lauréat en 2011. En vue de révéler son art, il a créé des formes humaines à l'aide du recyclage de matières plastiques. Ces sculptures en plastique sont réalisées à base d'une technique originale de tissage de feuillards polypropylène. C'est rien que le fil qui se tient debout. C'est les fils en plastique que j'utilise par une technique de soudure plastique. Le jeune artiste plasticien Cyrus Dizo combine son art avec l'environnement. Il fait de l'acrylique tout en collant les feuilles sèches et mortes sur ses toiles. Mes ambitions est que d'être reconnu, surtout par mes fils en plastique, qui est une nouvelle technique pour moi, que j'aime beaucoup. Que c'est être curieux, on arrive à toujours avoir ce qu'on veut. Donc, ce sont mes ambitions d'aller exposer un peu à l'international. Fort de ses 30 ans, Cyrus Dizo préside depuis 2014 l'Association des jeunes artistes plasticiens du Bénin. Engagé et très déterminé, Cyrus Dizo entend révéler le Bénin à travers son art.